personnel temporaire voient leur statut s'arranger ou les intégrer ou rompre leur contrat. Mais de préférence, qu'ils soient intégrés vu l'état de service qu'ils rendent à notre commune. Deuxième doléance, que le mototaximan soit organisé par la mairie pour qu'il y ait des entrées dans notre commune. Troisième doléance, que la mairie procède au recrutement du personnel, puisque la commune ayant le plan de formation, d'insertion et de réinsertion à la question de savoir quel est devenu ce plan. Il faut recruter des enseignants sortis de l'INEF pour les écoles primaires et maternelles. Et recruter d'autres jeunes, puisque peut-être bien des services de notre arrondissement ont